Ranger. Dede. Sono dentro. Il y a quelques jours, l'acteur Chadwick Boseman nous a quittés des suites d'un cancer, ce qui a bouleversé le monde. Celui qui a fait briller le MCU avec son charisme dans la peau de Black Panther n'est plus, mais laisse derrière lui un héritage exceptionnel. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour lui rendre hommage et pour vous raconter l'histoire derrière l'interprétation du roi du Wakanda. Parce que si vous pensez que tout était facile pour avoir le rôle, eh bien vous avez raison. Mais avant que Chadwick Boseman devienne le roi T'Challa, il y a quand même eu un petit peu de chemin. Et ouais, de base, si vous ne le saviez pas, c'est Wesley Snipes qui devait jouer Black Panther. Il était motivé à fond, vous pouvez pas imaginer à quel point. Et ça, c'était en juin 1992. Donc bien longtemps avant la sortie du vrai film dans nos salles. L'acteur considérait que l'Afrique était mal représentée dans les films hollywoodiens. Il s'est donc mis en quête de montrer une image bien plus noble de cette culture à travers le film, et il a donc commencé à travailler le sujet. L'année 1994 devait être une année décisive. En fait, Snipes avait réussi à collaborer avec Columbia Pictures pour son film. Et attention, avec également le boss des boss, Stan Lee. Ça rigolait clairement plus là. Mais après des discussions qui n'en finissaient pas, le projet commença à stagner, et bien longtemps, jusqu'en 1996. D'ailleurs, c'est en 1996 que Stan Lee abandonnera Wesley Snipes, parce qu'il n'était plus du tout satisfait de ce que devenait le projet. Le film est alors resté dans les cartons de Marvel, et vous savez, quand vous laissez traîner un carton dans un placard, vous l'ouvrez pas avant un moment, hein. Et c'était la même chose pour le projet Black Panther. On arrive donc en 2005 où le PDG de Marvel annonça que Black Panther était un des 10 films en cours de développement par ce qui étaient les nouveaux studios Marvel. Quant à Wesley Snipes, oubliez-le le pauvre, parce que entre temps, il était plus du tout dans le coup. Bien avant la sortie du film, le studio Marvel va comme annoncer l'arrivée de ce héros, en faisant mention par exemple du vibranium qui est originaire du Wakanda dans Avengers 2. Tenez, en parlant du Wakanda, ils devaient le montrer dès Iron Man 2. Alors pourquoi ils ont changé d'avis? Tout simplement parce qu'ils avaient aucune idée de comment le représenter. C'était encore trop tôt apparemment. Bon, on arrive maintenant au cœur du sujet. Qui va jouer T'Challa? Qui donc? Eh bien, les studios Marvel ne se sont pas pris la tête. Leur homme, c'était pas Wesley Snipes ou un autre acteur. Le seul à pouvoir endosser le rôle du légendaire roi du Wakanda, c'était Chadwick Boseman, et personne d'autre. Et ce choix, c'était grâce à Kevin Feige et son équipe qui l'avait remarqué quand il jouait dans les biopics de Jackie Robinson et James Brown. Pendant le soir de la promotion de Get On Up, en Suisse, Chadwick reçut le coup de fil ultime et accepta instantanément la proposition. Il signa alors avec Marvel pour apparaître dans 5 films, en apparaissant tout d'abord dans Captain America Civil War, puis Black Panther, Avengers Infinity War et enfin Avengers Endgame. Mais malheureusement pour les fans, il n'arriva pas au bout du contrat. Mais revenons au moment où je vous parlais de la signature. Maintenant qu'on lui avait offert le rôle, il était venu le temps d'apprendre. Donc pour préparer son rôle, Chadwick a visité l'Afrique du Sud 2 fois. Il a examiné les discours de Nelson Mandela et écouté les chansons de Fela Kuti. Pour ce qui est de son entraînement, il s'est formé au Dembe, la capoeira et au combat de bâton Zulu. On peut considérer qu'il était carrément paré le gars et décidément fallait pas l'emmerder. En fait, il était tellement chaud que pendant le tournage, alors qu'on filmait une scène de baston avec Andy Serkis, Chadwick a failli exploser les côtes de celui qui avait joué Gollum. En gros, la scène se déroulait la nuit et l'acteur principal ne voyait pas trop à cause du masque. Du coup, bah, pas pratique du tout. Tu vois rien avec ça et ça n'a pas loupé au final. Selon Serkis, il a dû refaire cette scène une 30aine de fois. Le film Black Panther fut, comme vous le savez, un carton. Il est devenu carrément le premier film de super-héros nominé pour l'Oscar du meilleur film en 2019. Au final, ce sera quand même 7 nominations, dont 3 prix remportés. La vraie classe! Chadwick s'éteindra le 28 août 2020 chez lui, entouré de sa famille, après avoir combattu le cancer du côlon pendant 4 ans, subissant des chirurgies et des chimiothérapies entre et durant les tournages de ses films. Comme il le disait lui-même à travers le rôle qu'il a élevé au rang de légende du Marvel Cinematic Universe, « La mort dans notre culture n'est pas la fin. Pour nous, c'est plutôt un point de départ. »